Horri zen, gaitzestea eta laudatzea operazio sentimentalak dira. Ahazte zinean, betirako, zentzilikaturik. Bonjour, nous on est le duo Dichari des mesures. Basco-français, on va dire, ouais, ouais, du sud-ouest, c'est sûr. Basco-basco. Et donc, j'accompagne les textes de poèmes d'Éric Dichari, et moi je suis guitariste dans plusieurs formations. Et là, nous avons créé un duo qui se base sur la musicalité de la langue basque et de mes instruments de musique qui sont à la fois une guitare, mais aussi tout ce pedalboard. Qui est pour moi un instrument de musique à part entière, et chaque pédale d'ailleurs permet de jouer, de faire mon son, quoi. Je te laisse et ça, c'est mon 15e livre, et au bout du 15e livre, ça fait depuis que je suis enfant que je voulais sortir les textes du cercueil qui sont les livres fermés pour pouvoir essayer de les partager et les ouvrir, et je suis en train de travailler sur une écriture conceptuelle qui se veut une écriture proche des ready-made en art plastique. Et je me suis demandé, un matin, en me réveillant, en me lavant les dents, en me regardant dans le miroir, qu'est-ce que ça pourrait donner qu'une poésie conceptuelle ready-made où, dans certains morceaux, je n'ai aucune écriture, mais je prends des textes que j'importe et que j'implémente dans un autre cadre, et en l'occurrence, là, dans ce cadre-là d'énonciation en live avec mon compère des mesures. Et tout est fait maison, hein, la musique est composée par moi-même et voilà, interprétée. Et de la même manière, tous les textes sont fabriqués à Cibourg, hein, c'est ça? Hori da, Ciburu neginak, eskaleria neginak, eta hori da, bai. Bon, testuak nahiko politikoak batzuetan dira, baina beste batzuetan ez, eta nahiko politikoak dira. Voilà, donc certaines fois les textes sont engagés autour de la spéculation immobilière au Pays Basque, et puis certaines fois ils essayent de dévernir un peu le marketing de masse qu'on essaye de nous servir à la soupe tous les midis pour déjeuner. Voilà, d'où le morceau Chanel Paris, égoïste platinium, qui revient sur les ingrédients, l'intégralité des ingrédients de ce parfum, et qui pour une fois n'envisage pas le parfum sous son angle féminin et dénudé. Super, merci messieurs, et bon live à vous. Allez, c'est parti.